jingle bells rock. Jingle bells swing. Na, 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 na. Si, je ne sais pas pourquoi tu es si heureuse. C'est la même chose chaque année. J'en ai assez. Sam, tu es sérieux? C'est Noël. Regarde comme c'est joli. On peut tout décorer. C'est pas génial? Au fait, à quoi ressemble ton sapin de Noël? Est-il artificiel ou réel? Dis-nous dans les commentaires. Ouais, c'est cool et tout. Mais je veux quelque chose de nouveau. De nouveau? Comme quoi? Quelque chose avec des lumières. Et qui bouge. En fait, j'ai une idée pour un truc comme ça. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Quel truc? Quoi? Raconte! Essaye de deviner. Ça tourne, ça ressemble à un moulin et ça produit de l'électricité. Quoi? Viens, je vais te montrer. Coucou! Coucou! Comment ça va? Allez, raconte-moi pour ton moulin de Noël! Moulin de Noël, j'aime! Tiens, regarde ça, tu sais ce que c'est? Oui, oui, bien sûr, mais dis-moi, je vais voir si tu as raison. Non, non, monsieur le malin, attends qu'on fasse tout le projet et tu le sauras. Les gars, si vous savez ce que c'est, notez-le dans les commentaires ci-dessous. Ok, ok, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je peux t'aider, pas vrai? Je veux vraiment voir le résultat. Bien sûr, voilà. J'ai tout. Je suis ton assistant. Génial, merci. Les gars, pendant que Sam découpe des morceaux de carton, on va préparer la base, 35 cm de diamètre. On va faire une maison avec une lumière douillette à l'intérieur et elle se dressera sur ses pilotis de bois, 5 cm de long. Je les ai faits avec des crayons noirs ordinaires. N'oublie pas de demander à un adulte de t'aider à couper les bâtons. Sois prudent. Même chose pour la colle chaude. Nous devons placer nos bâtonnets comme ceci pour nous assurer que notre maison est solide. Là! Un bâton après l'autre. C'est fait! Notre maison va avoir une jolie pelouse. Au fait, les copains, vous pouvez utiliser du papier cartonné en velours au lieu de mousse et le résultat sera tout aussi joli. Mais il devrait y avoir de la neige en hiver, pas de l'herbe verte. Ne t'inquiète pas, Samy. Tu vas la voir, ta neige. D'accord, d'accord. C'est la base que nous avons faite jusqu'à présent. Et bientôt, il me faudra des morceaux de carton. Oui, oui, j'ai presque fini. Prends ça pour l'instant. Oh, merci, Sam. Regardez, les copains, voici toutes les mesures. C'est le sol de notre maison. Attachons-le à la base des crayons. Et n'oublie pas les escaliers, c'est trop haut pour grimper. Celui qui le suggère le fait. Youpi! C'est ce que j'espérais. Vraiment? D'accord alors. Oui, voici le reste des morceaux de carton et je m'en vais faire mon chef-d'œuvre d'escalier. Je me demande si Sam veut juste vraiment voir le résultat final ou s'il est très heureux de nous aider. En tout cas, je construirai les murs de notre maison avec les pièces que Sam a préparées. Voilà ce qu'on a fait jusqu'ici. Il y a une ouverture spéciale dans ce mur. Tu verras bientôt à quoi ça sert. Et là, nous avons une fenêtre et une porte. Je les ai décorées pour qu'elles aient l'air comme vraies. Ajoutons un petit rideau sur la fenêtre pour la rendre encore plus confortable. Là! Ici, ici, ici! Encore une chose bien réelle! Samy, quel escalier incroyable! Et si rapidement réalisé! Eh bien, tout d'abord, non seulement tu as des projets secrets, oui, et c'est une période magique, alors tout devient possible, même des escaliers comme celui-ci. On est d'accord. De quoi ça a l'air? Super! Suzy, je croyais que tu avais parlé d'une lumière cosy dans la maison, mais je ne peux pas la voir. Même les ampoules. Ah, eh bien voilà les ampoules.
La maison n'est pas grande non plus. On va insérer ces deux ampoules dans cette petite boîte. Ce sera une lampe. Là. Fixons la boîte sur la fenêtre. Là, avec précaution. Et cette ampoule éclairera tes magnifiques escaliers, Samy. C'est exact. Je suis tout à fait d'accord. Couvrons l'ampoule avec un morceau de carton. Ça va ressembler à un lampadaire. Et c'est pour quoi faire? Pour le moteur. Là, on doit l'insérer dans l'ouverture. Et à quoi sert le moteur? Tu verras quand nous assemblerons la prochaine pièce. D'abord, il nous faut trois cercles en carton de 2,5 cm de diamètre. Intéressant. On va les coller ensemble. Quelques gouttes de super glue devraient suffire. 1, 2, 3, 4. Samy, tu peux m'apporter une bande de carton en attendant? Ça marche! Une bande de carton. Samy, comment ça se passe? Voilà! Bien qu'il n'ait pas été facile de trouver une petite bande sur une grande table. Je sais que tu es un maître de la recherche. C'est pourquoi j'ai demandé. Oui, oui! Je suis sûre que tu te souviens facilement des vidéos où je cherchais quelque chose. Tu es toujours à la recherche de quelque chose. J'ai appliqué un peu de colle sur toute cette pièce pour la rendre plus solide. Maintenant, on attaque les prochaines. Prenons ce rectangle de 6,5 cm sur 2,5 cm. Nous devons découper un petit triangle à une extrémité. Attention aux ciseaux, comme toujours. Maintenant, nous devons plier cette pièce comme ceci. Juste un peu. Et nous allons en avoir besoin de trois autres comme ça. Oh si! J'adore quand tu fais ça! Merci, Samy. Tu peux faire pareil avec les bonbons pour faire apparaître beaucoup de bonbons. Sam, on a déjà plein de bonbons. Pourquoi devrions-nous dépenser de la magie sur cela? Oh, il n'y a jamais trop de bonbons. Ils ont tendance à s'épuiser. Oh, Samy, les bonbons ne sont pas la seule chose qui te rend heureux. Quoi d'autre? Eh bien, l'artisanat, par exemple. Regarde ce truc génial. Presque. Attachons-le au moteur, comme ceci. Maintenant, nous devons collecter les fils avec soin. Demande à un adulte de t'aider. Je me souviens, il faut faire attention à la polarité. C'est ça, Samy. Regarde, nous connectons ces fils ici et ces fils là. Est-ce que c'est fait? Je ne comprends toujours pas. Non, Samy, pas fini. Il faut qu'on installe le toit. Et tu peux m'apporter un sèche-cheveux. Suzy, pourquoi tu as besoin du sèche-cheveux? Tu ne peux pas deviner? Non. D'accord, regarde. Imagine que c'est du vent naturel. Oh, waouh! C'est une éolienne! Eh oui, Samy. L'hélice tourne sous le vent et crée de l'électricité. Non, Suzy, arrête! Nous avons encore besoin d'ajouter quelque chose. Suis-moi. Voilà de quoi je parle. Oui, Sam, c'est une super idée. Je pense qu'il faut d'abord ajouter un peu de neige. Oh, bien sûr, pas de Noël sans neige. Et on peut peindre le toit en violet? Là. Ouais, ça sera vraiment festif. Et bon, oui, oui! Et pendant que tu peignais le toit, j'ai peint l'hélice. Super, Suzy, continue. C'est super amusant. C'est une maison tellement festive. Suzy, construisons un bonhomme de neige. Bien sûr, Sam. Tu savais que certains pays n'ont pas de neige du tout? Bien sûr que oui. Je suis un voyageur très expérimenté. Une fois, j'ai célébré Noël sous un palmier. Waouh! Tu me raconteras ça un de ces jours. Bien sûr, Su. Et maintenant, j'ai une idée. Attends ici. Quelque chose d'autre? C'est déjà magnifique.
clique sur j'aime si tu es d'accord. Tiens, regarde, place les bonbons autour de la maison pour que tout le monde puisse les voir et en prendre autant qu'il désire. Oh Samy, tu es si généreux. Merci. C'est un jour férié après tout. Bonbons et décorations. Oh oui, j'adore Noël. Joyeux Noël et bonne année, Sue. Tu es ma meilleure amie. Joyeux Noël, Samy. Toi aussi, tu es mon meilleur ami. Merci tout le monde! Donne un pouce en l'air à cette vidéo et n'oubliez pas de partager avec tous vos amis! On vous aime! Les copains, joyeux Noël et bonne année! Nous vous promettons de vous apporter encore plus de vidéos incroyables l'année prochaine! À l'année prochaine! À l'année prochaine!